Tu connais là-bas à gauche? Non. Après, je l'ai pris. Tu sors, mais il y a longtemps, c'est plus un peu. Ça peut sortir ou pas? Sur la carte, ça sort direct au lac. Ouais. Alors, ça, si tu veux. Ouais, de base, je me dis que ça pouvait être joli, mais je vois qu'il y a le troupeau là-bas, donc je sais pas. Ah, oui. Bon, on va passer gentiment à côté du troupeau. Ça va le faire. Bon, finalement, c'est des vaches, pas de problème. Ouais, 9h du mat, première brume. Bon. Ça va pas manger de trop vite. Laissez-nous un peu de répit, s'il vous plaît. Alors, passage délicat, on va passer où là? Plein milieu, je crois. Caillou est patiné. L'adhérence est limitée donc. On est quand même content qu'il y ait le câble. Ouais, le câble est pas super fou. Là, la suite de la grimpette, c'est par là. Il faudrait sortir à droite plutôt, mais. Ouais, là je pense que. Je sais même pas si je m'engage parce que. Je pense que je vais rester coincé. J'ai peur de rester coincé le vélo au travers. Ouais, j'ai. Tu tiens? Ouais. Bon, bonne chose de faite. Bon, comme tu dis, ça c'est fait. Encore le sommet, mais là-bas derrière, plus que 1000 mètres. Ça va être bon, ça. Ça y est, après 4 heures de montée, on voit le sommet. Moi, je sais pas si les nuages vont nous laisser aller en haut ou pas, mais ça arrive fort. Et hop, on roule.
commence à fumer sévère quand même. Hein. Faire un sommet brouillard. On se monte à pied dans le bazar. Allez. Le grand galibier. Ouh. Ah, c'est rad, hein. Ah oui. Ouais, peut-être pas énorme. Ouais. Ah, je savais pas que la descente c'était plus physique que la montée.
finalement c'était bâché que juste quand on était au sommet. Bon là par contre commence à y avoir des vrais nuages d'orage. On va peut-être pas camper ici. Hein. Pas grave, il n'y a que des bons chemins. La dalle des verres. Beau ça.
col de la Poissonnière. Yeah.